You'd be better off dead, better off dead. But let me tell you, there's a whole world waiting for you. It's hard to believe, but it's true. Whoa. So just hold on for me, hold on for me. Cause I believe if you go, my heart would break. Just hold on one more day. Cause you I promise that you Dames en heren, ladies and gentlemen, welcome, welcome, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes tous bien installés. Hopelijk is nu iedereen aangekomen.
Wel, welkom voor deze Belgische finale van Imagine 2013. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est la finale nationale, la finale belge du festival Imagine 2013. Et je me disais que pour mieux ouvrir cette soirée, pour mieux ouvrir les festivités, j'aimerais inviter deux personnes à venir me rejoindre sur scène pour vous exposer un peu, si vous ne connaissez pas tout à fait Imagine, pour vous expliquer mieux de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, j'aimerais inviter le directeur de la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles. En ik zou ook graag de directeur van Jeugd en Muziek Vlaanderen willen uitnodigen. Dames en heren, Roel van Hoek en Michel Schoenbrood. Bonsoir, goedenavond, welkom. Een paar woorden om misschien uit te leggen wat is precies Imagine. En quelques mots, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a des membres des familles, des copains de classe, des curieux qui ont passé la porte et qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'Imagine. We gaan beginnen. Voilà, je vais commencer en français. Imagine, en fait, est un festival concours destiné aux jeunes musiciens de 12 à 20 ans. Et ce qui est important, et un peu la particularité d'Imagine, c'est qu'il ouvre la porte à tous les genres musicaux, depuis le classique jusqu'aux musiques urbaines, en passant évidemment par le jazz, le rock, le folk et d'autres formes musicales. Chose importante aussi, c'est que Imagine, au-delà d'être un simple concours, est aussi tout un travail d'accompagnement que l'on fait avec les jeunes artistes sous forme de coaching qui ont lieu, soit de manière individuelle ou collective, entre les différentes étapes d'Imagine, depuis la demi-finale jusqu'à la finale belge. Wat Michel heeft gezegd, dat klopt volledig. Dus heel kort, omdat we toch het Belgisch karakter van de wedstrijd hoog willen houden. Dus Imagine is een wedstrijd van 12 tot voor muzikanten van 12 tot 20 jaar uit alle genres, wat heel belangrijk is. En ook het internationale aspect is daarin heel belangrijk, omdat Imagine het concept toch wordt georganiseerd in een land of 9. En als we zelfs de landen, partnerlanden in Zuidoost-Afrika meetellen, in 13 landen, dus wat toch het mooie project maakt. Dus dat is heel kort eigenlijk, want ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen wat Imagine is. Alors, si j'ai bien compris, als ik het goed gelezen heb, waren er eigenlijk ongeveer 175 groepen of artiesten die wilden eigenlijk meedoen aan deze wedstrijd. Si j'ai bien lu, il y avait à peu près 175 artiesten ou groupes de tous les styles musicaux qui ont voulu participer à Imagine, qui ont passé les présélections, qui ont passé les différentes étapes, les finales en Flandre, en Wallonie-Bruxelles, en Wallonie à Bruxelles. Et puis maintenant, aujourd'hui, finalement, ce sont les 5 meilleurs de chaque communauté, les 5 meilleurs du côté flamand, les 5 meilleurs du côté francophone que nous allons voir aujourd'hui. Il y a aujourd'hui dans la salle un jury qui va devoir départager tout ça. Wie zijn die juryleden en wat zijn hun criteria om eigenlijk de beste groep te kiezen? De juryleden zijn, daarin zijn we wel, hebben we toch een beetje pariteit voor opgegeven. We hebben 4 Franstalige juryleden, 4 Vlaamse juryleden. De juryleden, we hebben telkens 1 laureaat van de voorgaande edities. We hebben professionele muzikanten en we hebben programmatoren. En helaas onder het voorzitterschap van onze 2. Dus daar zullen ze het mee moeten doen. En nog een deel van de vraag, nu weet ik het niet meer. De criteria. Ik wist dat er nog een heel belangrijk aspect is. Want we krijgen altijd de vraag, hoe al die verschillende genres, hoe in godsnaam gaat de jury te werk om daar toch een soort van oordeel in te geven. En wederom binnen het hele internationaal netwerk werken we met 4 criteria waarop dat de jury aan de slag gaat. En die criteria zijn eigenlijk zeer eenvoudig. Dat is 1, muzikale kwaliteit. 2, dat is innovativiteit, creativiteit, wat we zeer belangrijk vinden. Het 3e is interactie met het publiek. Dus we vragen echt de muzikanten die hier op het podium staan om niet alleen aan hun eigen muziek te denken, maar bewust te zijn dat ze voor hun publiek
spelen. En het laatste criterium is presentatie, is voorbereiding. Hebben we het gevoel dat de muzikanten er alles uitgehaald hebben wat er eigenlijk in zit? Of hadden ze misschien toch nog met 2 repetities meer, bijvoorbeeld, toch nog net iets beter gebracht? Dus dat zijn de 4 criteria. Je pense que c'est un détail qui vaut, enfin un détail, c'est un point qui vaut la peine d'être expliqué en français également. Donc les critères que le jury va suivre pour pouvoir rendre son verdict à la fin de cette soirée sont finalement des critères qui se retrouvent au sein de Imagine partout dans les autres pays, dans les 13 autres pays du monde où ce concours a lieu. Donc ce sont des critères que vous allez appliquer ce soir et qui sont en détail. Donc, qui sont des critères effectivement internationaux. Donc, dans tous les festivals Imagine des pays participants, ils appliquent exactement les mêmes critères. Donc, il y a effectivement la technique musicale, l'interprétation. Il y a aussi la présence scénique. Il y a évidemment l'interactivité avec le public. Et puis, il y a aussi surtout la créativité, puisqu'il est important de dire en fait qu'une des consignes importantes du règlement d'Imagine, c'est que les jeunes artistes qui vont se présenter sur scène doivent venir nous faire entendre leur composition originale. Il ne s'agit donc pas d'un festival de cover, de reprise. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi une mission des jeunesses musicales de Youth and Music Vlaanderen, qui est effectivement de soutenir la création des jeunes musiciens. Eh bien, je crois qu'on va clôturer parce que le plus important reste à découvrir, c'est-à-dire les groupes qui vont défiler et les musiciens qui vont défiler sur cette scène ce soir. Il y a quand même de prix. Et des prix importants à la clé. Er zijn heel veel prijzen te winnen en belangrijke en ook dure prijzen te winnen. Het is ook belangrijk te zeggen. In kort gezegd, en bref, quels sont les prix qui sont à la clé? Mais en fait, d'abord, les prix les plus importants pour nous, je pense, c'est les prix qui amèneront les jeunes musiciens, les artistes, à se rendre dans les autres festivals internationaux d'Imagine. Et le premier prix sera évidemment la participation au festival international, donc la finale des finales, à Kristiansand, ici en Norvège, au mois d'août. Et puis des invitations aussi sur d'autres scènes, en Croatie, en Roumanie, en Suède et autres. Et puis il y a des prix spécifiquement belge ou en Belgique, soit sous forme de prix financiers, soit également des earplugs pour bien entendre et en tout cas ne pas avoir les oreilles percées par trop de sons. Il y aura aussi un prix Sabam, il y aura aussi des festivals et des scènes en Belgique, comme notamment celle du Brussels Summer Festival en 2014 et plein d'autres prix. On aura l'occasion de les détailler après. Exactement. On aura l'occasion d'y revenir. Vous êtes tous deux membres du jury, donc je vais vous renvoyer à vos places. Dus jullie mogen allebei terug gaan zitten en beginnen met uw jurywerk voor vanavond. Dames en heren, een groot applaus voor Roel van Hoek en Michel Schoenbrood. Puisqu'ils sont également membres du jury, ils vont prendre place, empoigner leur stylo, leur feuille, leur grille de cotation. Alors, moi, j'aimerais vous remercier, vous, d'être là aujourd'hui. Parce qu'on aurait peut-être parfois tendance à l'oublier, mais si les jeunes artistes ont un jour une chance de percer, c'est grâce au soutien de leur famille, leurs parents, leurs collègues, leurs profs, leurs copains de classe, et les curieux aussi, qui peut-être ne les connaissaient pas avant la première écoute, et puis qui tout à coup se mettent à les suivre. Donc je voulais vous remercier d'être là, d'être présent aujourd'hui. Je voulais aussi vous remercier, internautes qui suivez cette proclamation, ce concours, cette finale en streaming depuis chez vous. C'est aussi grâce à vous que les musiciens peuvent se faire connaître. Dus een heel, heel, heel groot dank u voor al de mensen die in de zaal zitten. Omdat het heel belangrijk is voor al die artiesten om een publiek te hebben. En dat publiek dat begint met de ouders, met de familieleden, met de klasgenoten, de leraren, weet ik veel wat. En vanavond, nog meer precies, begint het ook met de mensen die de nationale finale van Imagine gaan bekijken met internet. Ze zijn allemaal thuis, maar in hun hart zijn ze allemaal samen met ons mee.
Wij hebben al een beetje gesproken over de feit dat het internationaal is en dat de winnaars van de finale die mogen gaan reizen, concerten gaan spelen, tournee gaan doen in andere landen. Wel, onze eerste groep, onze eerste artiest van vanavond, wel, is een van deze winnaars. Le premier artiste qui va se produire sur la scène, eh bien, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est un artiste qui a participé au festival Imagine et qui a remporté le deuxième prix de la finale nationale suédoise cette année, au mois de mai. Il joue seul, de la guitare acoustique. Vous allez voir qu'il ne manque pas de talent ni d'imagination. Son univers est très vaste. Dames en heren, het eerste concert van vanavond. Hij komt uit Zweden. Hij was tweede prijs van de nationale finale van Imagine Zweden in mei dit jaar. Dames en heren, een enorme applaus voor Salomon Jacobson. Thank you.
thank you very much. So my name is Solomon, and I am from the North Pole. I'm from Sweden, and I'm here to play some guitar music for you. And this first song is an original song of mine, and the next one will also be that, but it will be a little bit different. The people who saw me play yesterday know what it is. It's I love video game music from old school video games. So it's like very much inspired by that kind of style. Very, I don't know how hectic and fun. And it's like an instrumental story about a frog named Glenn, who is from my, no, who is not from my hometown, but he's from Japan. And the song is called Battle of the Brave Frog. Thank you. Hello. Ah, ça y est. Ladies and gentlemen, Solomon Jakobsen. Welcome to Brussels. Thank you.
So you said that it's already your second gig here in Brussels, since you've been performing for the other groups, the other artists that are going to be here. Do you like it? Yeah, I like it so far. So I think you have to talk in the microphone. That one is out. My microphone is out too. So we'll have to scream. So how did you like it coming to Brussels? It was nice. So far the weather has been like at home, so it's nice. You don't feel alone anymore. Next winter in May.